On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a déposé son projet de loi numéro 10, Impact à venir pour le personnel du centre de santé au Richelieu-Rouville. Également, impact au niveau de la structure du C3S avec son abolition future, de même que l'abolition de l'agence et de la création des nouveaux CISSS, qu'on appelle maintenant les CIS. Depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement libéral et du nouveau ministre de la Santé, Gaétan Barrette, on sait que les structures dans le monde de la santé sont appelées à changer. Vous avez probablement déjà entendu parler du projet de loi 10. Quels seront les impacts pour nous ici, dans la région immédiate qui est desservie par le C3S au Richelieu-Rouville? Avec nous pour en parler, le président du conseil d'administration, Fernand Crozatière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pour les gens, qu'est-ce que ça va changer, le projet de loi 10? Parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que oui, on veut réduire une bureaucratie, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger d'en créer une autre à côté qui risque d'être un peu plus grosse et moins accessible? Bien, disons que dans le préambule de M. le ministre, du projet de loi numéro 10, c'est que lui veut faciliter l'accès aux services et veut en diminuer aussi là, les intervenants. Or, dans son projet de loi, il veut enlever des instances. Il veut diminuer là, la bureaucratie. Il veut enlever aussi là, les agences, entre autres. Ouais. C'est le cœur de son projet. Et en enlevant les agences, bien, il va de soi qu'il faut reviser là, certains processus parce que la reddition de comptes, si on enlève du monde, bien, il va falloir la diminuer et puis il va falloir aussi faire autrement. Et c'est ce qu'il nous propose. Ce qu'il nous propose aussi dans son projet de loi, c'est de rendre les services plus accessibles, plus facilement. Et lorsque les clients vont se présenter dans le CI3S, là, qu'on appelle le CIS, bien, on devrait être en mesure de le diriger là, rapidement pour qu'il y ait le plus rapidement possible des services là, auxquels il a droit. Moi, je me rappelle dans les années 90, à l'époque, on appelait ça, c'était des régies de la santé qui sont devenues des agences. Finalement, les gens n'ont pas trop su c'était quoi la différence en bout de ligne. Depuis le début des années 2000, principalement à cause de l'ADQ et de la CAQ, par la suite, là, on tapait sur le clou de dire ah, il faut abolir les agences, il faut abolir les commissions scolaires. Ça devenait une forme d'opportunisme politique. Visiblement, le gouvernement libéral a pris un peu la balle au bon parce qu'il y a une joute politique aussi qui se trame derrière ça. Et c'est très. Ça séduit beaucoup le public de dire on va éliminer des structures. Mais au final, prenons le cas de la Montérégie, qui est l'une des plus grandes régions administratives du Québec. Est-ce que c'est pas un peu incroyable de penser qu'on puisse avoir qu'une seule et unique structure en Montérégie? C'est pratiquement impensable. Nous, on a commencé, bien, on a une association québécoise des établissements de santé et services sociaux qui nous représentent. Et la démarche, on l'a commencé assez tôt. Ils sont venus nous rencontrer, les présidents de la Montérégie, parce que, comme vous le disiez tantôt, c'est gros, c'est majeur. Puis en soumettant juste un organisme, on voulait réagir. Fait que par le biais de la Caisse, on a réagi. C'est eux autres qui l'organisme qui nous représente. Et ils ont fait en même temps le tour de la province pour avoir la réaction de tout le monde. Et puis nous, ce qu'on avait mentionné à l'époque, ben, ça ne fait pas longtemps, on avait dit que c'est trop gros et puis ça ne sera pas aussi accessible. Et puis la grosseur de la machine, on parle d'un million et demi là, de population actuellement chez nous, c'est 180 000. Fait qu'on disait que ça serait important là, de diviser ça, d'en faire au moins trois. Nous, on proposait trois dans le temps. Là, Donc, de scinder le territoire de la Montérégie en trois. En trois. Donc, en trois. Je présume l'est, l'ouest puis le milieu, là, c'est à peu près ça? À peu près. Ouais. Ça peut être différent, là, dépendamment où on se situe, là, mais c'est un peu ça qu'on avait soumis à la Caisse. La Caisse, elle a déposé un mémoire au ministre, puis grosso modo, elle a fait des revendications en notre nom par rapport au nombre, puis elle a fait aussi des comparaisons par rapport aussi à Montréal, puis si on s'en va aux Îles-de-la-Madeleine, puis dans les petites places comme ça, où il y en a un pour à peu près la moitié de notre population juste ici, là, on ne trouvait pas ça tellement équitable. Quand on a procédé à la fusion des établissements, oui, on bâtissait une seule et unique structure, en fait, celle que l'on a aujourd'hui, les C3S, il y avait une certaine logique derrière ça, parce qu'à l'époque, on le sait, bon, l'hôpital tirait sur son côté, puis le CLC, puis les CHSLD. Or, dans une région, proprement dite, là, donnée,
il y a une forme de logique administrative à ce que les services de santé travaillent les uns avec les autres. Là, maintenant, quel sera l'avenir des C3S comme tels? Est-ce qu'on va aussi les abolir à l'intérieur de cette structure-là? Qu'est-ce que prévoit le projet de loi 10 à l'égard de l'avenir des C3S versus les agences ou les futurs 6 qu'on va créer? OK. Bien, disons que l'objectif au départ, c'est d'abolir les agences. Et à l'intérieur des gens qui travaillent aux agences, bien, il y en a qui vont être relocalisés dans les différents postes au ministère, puis les autres vont intégrer là, dans les nouveaux 6, là. Dépendamment du nombre là, que le ministre va décider qu'il va avoir, là, par exemple, pour la Montérégie. Il va de soi que ces gens-là, ils ont de la sécurité d'emploi, puis nos gens aussi, nous autres, dans nos structures aussi, ils ont de la sécurité d'emploi. Fait que, bon, il s'agit de voir là, comment eux autres, ils vont pouvoir intégrer là, des postes, là, puis il y a aussi tout l'aspect d'attrition, là, les gens qui s'en vont à la retraite. Fait que c'est là-dedans là, qu'on... On va s'en aller là, pour pouvoir intégrer ces gens-là. Donc, mais le comment, on ne le sait pas encore. Les modalités, on ne les connaît pas. Donc, dans la reddition de comptes, prenons le gestionnaire d'un établissement, que ce soit l'hôpital, le CLSC ou le CHSLD, il va relever de qui, au final? Bien, en fait, il va avoir... si le ministre décide qu'il y a 3 CISS, bien, on va relever du CISSS. C'est eux autres qui vont avoir la gouvernance là, pour une région donnée. Là. Fait que si, par exemple, donc, la structure actuelle des C3S que l'on connaît sont appelées à disparaître aussi. Elle va disparaître. Par le fait même. Et puis la gouvernance aussi va être modifiée par une nouvelle structure. Puis le ministre, dans son dépôt initial, bien, lui proposait là, un certain membership là, à l'intérieur avec des représentants des usagers, des médecins, des infirmières. Puis il y avait aussi là, des gens là, qui seraient nommés selon les compétences, parce que lui, il avait une approche par compétences. Un des impacts à court terme, et on l'a vu ici directement, bon, on le sait, Mme Lessard a quitté ses fonctions à la direction générale. En temps normal, votre conseil d'administration aurait dû aller en concours pour trouver un successeur à Mme Lessard. Or, l'arrivée du projet de loi 10, là aussi le moratoire sur les embauches, fait en sorte que là, actuellement, vous êtes un peu sur la glace. Ah, on est tous à la glace. Puis, effectivement, on avait d'autres postes aussi là, qui ont tombé parce que les gens ont parti à la retraite. Fait qu'on n'a pas l'autorisation là, de créer des nouveaux postes. Ce qu'on fait actuellement, on rouvre des postes par intérim. Et c'est ce qu'on a fait pour la direction générale quand on a nommé Mme Pouliot, qui est en cumul là, dans 2 C3S. Ça ne doit pas être simple, ça, quand même, de gérer... J'aimerais pas faire sa journée. deux C3S à la fois, là? Non, c'est pas évident. Là, puis, mais par contre, vous voyez, là, pour la période de temps qui reste, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu, là, le projet de loi, puis quand est-ce qu'il va aller de l'avant avec toutes les modalités. Mais nous, on a pris le risque là, de nommer une personne qui cumule les fonctions. Vous, ça fait quelques mois que vous êtes à la présidence du conseil. Au début donc, de l'été. Donc, c'est un peu nouveau pour vous, tout ça. Là, vous arrivez dans un contexte où il y a une joute politique qui s'effectue actuellement. Oui. L'abolition future des agences, l'abolition future des C3S, la création de nouveaux 6, et là, on verra en Montérégie si le ministre décide ultimement qu'il y en ait 3 plutôt qu'un. Vous, qui êtes un représentant du public dans tout ça, pensez-vous qu'ultimement, ça va donner les résultats escomptés? Je ne suis pas devin, là. Moi, c'est sûr que je suis un bonhomme qui aime travailler, qui aime aller de l'avant. Et quand on a l'équipe qu'on a chez nous, on est une équipe extraordinaire. Fait que pour offrir des services aux clients, je pense que ça ne changera pas. On a une bonne équipe, on a une belle structure. D'ailleurs, on vient de terminer là, l'agrément, on a eu des bons résultats. Ça veut dire que les gens chez nous sont solides dans ce qu'ils font. Puis je pense qu'il faut construire avec ça. Il va s'ajouter d'autres acteurs. C'est sûr que si on abolit les postes, les agences, bien là, il y a des gens qu'il va falloir introduire.
mais c'est tout à refaire. C'est un changement de culture là, qui va être là. Bon, vous en faites mention, donc, Agrément Canada, qui vous a accordé la note de 97,4. Oui. Vous qui êtes issu du monde de l'enseignement, c'est une bonne note, ça, 97,4? Oui, c'est bon. C'est bon, ça. Donc, ça veut dire que le C3S répond à toutes les normes en vigueur. Oui, puis il y a eu un gros travail de fait, là. Je le mentionne avec les administrateurs, mais aussi les cadres et les employés, parce que les révisions de processus, toutes les mesures qui ont été mises en place pour assurer la population d'une qualité, bien, regardez les résultats, ça parle d'elle-même, hein, fait qu'on est content du résultat. Bon. Et là, pendant ce temps-là, les travaux se poursuivent, sont plus visibles. Maintenant, oui. On voit une grue là, qui est là en permanence, donc oui. Ça nous indique qu'il y a des travaux qui ont cours en ce moment. Oui. Est-ce qu'on est dans les délais, dans les échéances? Actuellement, on est satisfait des résultats. On suit le plan de match, comme on dit. Il va de soi que quand on a des chantiers de cette grosseur-là, c'est quand même un projet, là, on est rendu à 109 millions. Ça déplace des gens, ça déplace aussi là, dans le coin là, de l'hôpital, là, ça fait de l'action, il y a des camions qui passent, puis ça réagit un peu, mais nous, on est quand même satisfaits, puis le plan de match, il suit, on est content, puis les réunions qui se font là, par rapport au chantier, les réunions de chantier vont bon train, puis les gens sont satisfaits. Donc les travaux vont bon train. Oui. Vous avez reçu une bonne note au niveau de l'agrément. Oui. Là, il y a tout le contexte là, de l'avenir des agences et des C3S. Vous aviez en même temps un contexte budgétaire un peu difficile là, dans les dernières années. Mais là, actuellement, je présume que tout ça est ça aussi un peu sur la glace. Bien, en fait, parce que non. Vous devez continuer de gérer le C3S oui, on continue. En attendant de connaître la nouvelle structure. Donc, bien, on continue comme c'était avant. On a adopté des mesures d'équilibre budgétaire. Ouais, bon, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas le dépenser, puis on n'a pas le droit d'emprunter. Donc, c'est toujours, comme fait on que, dit, business as usual. Oui, oui. Mais après budget ça, du gouvernement qui va venir en avril. Après ça, on va continuer à vivre avec les problèmes qu'on a. C'est un peu comme les fondations. Ils vont continuer à exister, puis il va falloir qu'on ait ces appuis-là, parce que la mission, on ne pourra pas la tenir. Fait que moi, en tout cas, je suis optimiste. Je suis content là, du travail que les gens font. Puis le conseil d'administration, dans cette mouvance-là, eux autres, ils ont pris position. On a dit on en veut trois. On ne sait pas comment ça va terminer, mais on a au moins exprimé notre désir. Puis on voulait être à proximité là, de nos partenaires. Là. On avait été de l'avant là, avec... Mais on va voir. On va voir ça à l'autopsie, comme on dirait en médecine. Tout à fait. M. Crozetière, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit la présidente du syndicat des professionnels de la santé, FIC, pour le territoire du Haut-Richelieu-Rouville. Dans le confort de votre foyer. Télé-Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses bêta, version 3.0, de retour l'hiver 2015. Il y a quelques instants, dans cette même émission, on recevait le président du conseil d'administration du C3S au Richelieu-Rouville, Fernand Crozetière, le CA qui propose la formation de 3-6 en Montérégie, parce que d'une part, on abolit les agences, on abolit les C3S, mais on crée des nouvelles structures entre les deux. Quels seront les impacts pour les employés? Ici, dans la région, on parle de 3 000 employés, mais là, évidemment, si on grossit la structure, ça va changer un peu la donne. On reçoit cette fois la présidente du syndicat des professionnels de la santé au Richelieu-Rouville de la FIC, Sylvie Jovin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce à dire que votre syndicat est appelé à devenir un méga syndicat de 9 à 10 000 employés? Pour nous, avant l'amendement qu'il y a eu du projet de loi 10 qu'on a reçu la semaine passée,
Si on arrêtait toute la Montérégie ensemble, ça aurait représenté 9 900 membres FIC. Puis, considérant le fait que le ministre Barrette, nous, on a eu les documents au Conseil fédéral le 2 décembre, étant donné qu'il a divisé la Montérégie, soit que Granby et Cowansville s'en vont avec l'Estrie et qu'il divise le reste de la Montérégie en deux. Nous, on se retrouve avec on va être dans la Montérégie ouest, avec Valleyfield, Homestown, la région de Rigaud, Châteauguay et nous. Pour nous, la FIC, ça représente environ, qu'on a fait le calcul, à 3 000 membres. 3 000 membres. Ouais. Alors qu'actuellement, juste le territoire au Richelieu-Rouville, vous avez combien d'employés syndiqués FIC? 1400. Donc, actuellement, vous êtes 1400. Oui. Êtes-vous favorable ou non avec la proposition du conseil d'administration du C3S qui est de scinder la Montérégie en trois territoires? Mais au dernier conseil d'administration, j'ai demandé au conseil d'administration qui se positionne par rapport à la fusion qui était pour arriver. Je veux dire, nous, ce qu'on voulait, la FIC, ce qu'on voulait, c'est qu'il n'y ait pas des mouvements de fusion d'établissements comme ça, parce qu'on ne voit pas l'avantage à fusionner comme ça. Parce que même si le ministre Barrette dit que le patient va être au centre, pour nous, ce n'est pas réel. Ce n'est pas ça la solution. Parce que, puis j'ai même fait l'intervention au conseil d'administration, parce qu'actuellement, il y a des services qui se donnaient autant à Vallée-des-Forts qu'à Richelieu, que maintenant, tout dépendant de la période, ils en donnent à un endroit ou à l'autre. Et avec la fusion, qu'est-ce qui nous garantit qu'au niveau du territoire de la Montérégie, puis au niveau du territoire de Richelieu, on va avoir les mêmes services qu'on avait avec la fusion qui est annoncée au niveau du CI3S? Fait que c'est ça notre inquiétude. Est-ce que le syndicat que vous représentez, à la base, est favorable à l'abolition des agences? Je vous dirais que ce que nous, on veut, je ne vais pas m'avancer ouais. là-dessus, mais au niveau des informations que j'ai, je ne suis pas sûre qu'il y ait des positionnements par rapport à ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est réellement participer pour améliorer le système de santé. C'est clair qu'il y a... Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que le système coûte cher, mais je pense que Mme Laurent, la présidente de la FIC, a bien dit au ministre Barrette qu'elle voulait s'asseoir avec pour tenter de trouver des solutions avec lui. Quand on a fusionné les établissements, prenons l'exemple d'ici, là, le CLSC, ouais. l'hôpital, les CHSLD, il y avait quand même une certaine logique derrière ça. Parce que je me rappelle, moi, à cette époque-là, chaque établissement, des fois, tirait un peu sur sa couverte. Il y avait des petites batailles de coq même entre les directeurs de l'époque et tout ça. Puis même au niveau syndical, vous aviez des entités un peu séparées. Là, au fil du temps, tout le monde s'est fusionné, mais il y avait une logique territoriale, il y avait une logique de soins de santé, que ce soit du soin communautaire, du soin de longue durée ou du soin d'urgence. Là, oui. Là évidemment, puis je le disais tantôt à M. Croisetière, est-ce que le danger, c'est pas de dire, à trop vouloir abolir des bureaucraties, est-ce qu'on n'est pas sur le point de créer une méga-bureaucratie? Parce que là, on veut enlever des paliers, mais au final, est-ce que tout le monde va y trouver son compte? Mais de la fusion qu'on a vécue en 2005, nous, au niveau syndical, par rapport à la bureaucratie, il n'y a eu aucune preuve en termes de chiffres que ça allait améliorer. Mm-hmm. Au contraire, ce que moi j'avais entendu il y a à peu près un mois, c'est qu'on avait 30 % plus de gestionnaires depuis la fusion de 2005 au niveau provincial que ce qu'on a actuellement. Donc, avec la nouvelle fusion, j'ai pas de preuves et on n'a pas... rien qui démontre comme quoi qu'on va en avoir moins de bureaucratie. Parce que quand même, M. Croisetière le disait tantôt, au final, qu'on abolisse ou non les agences et les C3S, il y a des gens qui ont des permanences, il y a des gens qui ont des sécurités d'emploi, il y a des gens qui ont de l'ancienneté. Donc, il y a du monde à replacer, là, veut pas, dans les organisations ou dans la nouvelle organisation. Oui, c'est effectivement, j'ai tout à fait raison là-dessus. Puis d'autant plus que par rapport à toutes les... toutes les structures qu'ils vont avoir. Quand on parle du nouveau conseil d'administration du CI3S, ça va être le ministre Barrette qui va décider qui est-ce qui va siéger là. C'est lui qui va décider aussi qui va être le directeur. Contrairement à ce qu'on vit actuellement, où est-ce que les gens qui siègent au conseil d'administration localement, c'est des gens qui sont élus. Et la directrice générale, je dis directrice parce que c'est Mme Lessard puis Mme Pouillette la dernière, c'est des gens qui ont été élus par le conseil d'administration. Mais tous ces pouvoirs-là vont revenir au ministre de la Santé. C'est tout lui qui va décider. Donc, on instaure un système, disons, autocratique, ouais. pour ne pas dire autre chose. Là. C'est ça. Je reviens à ma question de tantôt.
l'ECA du C3S veut une Montérégie divisée en trois. Vous, oui. Votre syndicat, êtes-vous favorable à cette proposition-là que la Montérégie soit scindée en trois territoires, trois-six? Nous autres, on n'en voulait pas de fusion, comme il se fait actuellement. Parce qu'on voit l'impact que ça va avoir au niveau de nos travailleurs aussi. Mais est-ce que vous préférez avoir un seul 6 pour la Montérégie? Non. Ça, c'était trop gros. Là. C'était réellement trop Donc, gros. Donc, idéalement 2 ou peut-être même 3. Est-ce que le chiffre de 3 pour vous a du sens de dire bien, Montérégie-Ouest, Montérégie-Est puis Montérégie-Centre? Mais c'est parce que nous, ce qu'on ne perd pas de vue, c'est la qualité des soins et le service à la clientèle. Si on me dirait, puis si on dirait aux membres qu'on représente, les gens qui vont être dans le CI3S vont avoir le même service qu'ils ont actuellement, mais là, on se questionnerait. Puis si on nous garantirait aussi qu'au niveau financier, qu'il va avoir un impact sur le réseau de la santé, mais on se questionnerait. Mais il n'y a aucune preuve qui est faite par rapport à ça. Donc, pour vous, qu'il y en ait deux, qu'il y en ait trois, ça vous est un peu égal? Bien, je vous dirais que trois, ça commence à être gros, parce que pour nous, c'était 9 900. Infirmières, infirmières auxiliaires, allothérapeutes, qui seraient été. Là, minimalement, au moins, je veux dire, le personnel qui va être dans un secteur ou dans un autre, s'il arrive quelque chose, je vous donne un exemple, un transfert, mais là, ils vont pouvoir changer de 6. Mais... Pour les employés que vous représentez, est-ce qu'il n'y a pas aussi un bon côté des choses dans la mesure où, je ne sais pas, mais une infirmière qui travaille actuellement à l'hôpital du Richelieu pourrait poser sa candidature pour un poste dans un CLSC, disons, qui est à Saint-Hubert? Parce que là, les syndicats vont être appelés à se fusionner, les listes d'ancienneté aussi, probablement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas au niveau professionnel, pour les employés que vous représentez, un avantage de dire, bien, il y aura maintenant plus d'établissements qui vont s'ouvrir à moi? Je vous dirais que j'ai vécu la fusion de 2005 et c'est le contraire qui s'est passé. Je veux dire, les gens qui étaient dans, mettons, je vous donne un exemple, une infirmière qui est à Châteauguay et qui vise un poste depuis plusieurs années parce qu'elle travaille dans l'établissement de Châteauguay. Mais elle, sachant qu'il y a quelqu'un d'autre qui va s'en venir, admettons, de la région de Saint-Jean, parce que son conjoint, ou il y a une décision qui est prise de la famille, qui s'en va rester dans ce coin-là, c'était plus ou moins accepté. Puis même, je vous dirais qu'il y a eu des grinchements dedans là-dessus. Là. Parce que là, c'est quelque chose qui nous est imposé. C'est pas un choix qu'on fait. Là. Ouais. Syndicalement parlant, quelles sont les options que vous avez devant vous, là? Parce que là, je vois évidemment que vous faites vous réussissez vos gens de façon un peu plus rapprochée. Il y a des inquiétudes probablement de la part de vos syndiqués. C'est quoi les options que vous avez actuellement sur la table, la FIC, pour faire valoir vos points jusqu'à l'adoption ultime du projet de loi 10? Il y a un mémoire qui a été présenté le 12 novembre par Mme Laurent et son équipe à la Chambre pour expliquer pourquoi nous, on n'était pas d'accord avec le projet de fusion, puis les enjeux et les solutions qu'on a envisagées par rapport à ça. Mais ce que je peux vous dire, à l'heure actuelle, considérant le fait qu'on sait qu'on a un gouvernement qui sort toutes sortes de lois et qui va les passer probablement à court terme, on a, nous, déjà commencé à se préparer. On a déjà des comités qui sont faits pour savoir comment on va faire au niveau de la FIC pour assurer le service à nos membres et de continuer le travail qu'on fait auprès d'eux, malgré la fusion et la distance qu'ils vont avoir d'un établissement à l'autre. Parce que ça aussi, c'est un enjeu, là. Il y a un enjeu de distance. Parce que, je prends l'exemple, la journée que votre syndicat va se fusionner selon le territoire du niveau 6, oui. Bien, là, vous allez avoir un nouveau conseil d'administration de votre syndicat. Donc, si vous faites une réunion... les gens vont devoir parcourir plus de distance pour y assister. Là. Mais ça, on va y travailler là-dessus par rapport à ça. Parce qu'on ne veut pas perdre nos membres de vue. Fait que je pense qu'on est rendu peut-être plus à l'aide technologique, là, malgré le fait qu'on veut garder contact avec les gens. Là. Mais c'est clair qu'on va travailler là-dessus. Bon. Là, le plan qui avait été mis en place au C3S sous Mme Lessard, plan évidemment de restructuration budgétaire, où en sommes-nous rendus à l'heure actuelle? Je veux dire, les lits sont coupés. Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, on est à 42 lits coupés. Il y a des unités où est-ce que sur... je vous donne un exemple, il y avait une unité de médecine, il y a 10 lits coupés. Mais la direction s'est donnée des lits de débordement. C'est-à-dire, sur les 10, il y en a 3 qui peuvent les rajouter de façon temporaire en attendant. Donc, puis les 10 autres lits sont quand même là pour si jamais il arrive quelque chose. C'est sûr que nous, on travaille avec les équipes qui ont vécu des coupures de postes, à savoir
comment on va agir, parce qu'en coupant des postes, on coupe des bras, on coupe des professionnels en soins pour être dans les équipes, malgré le fait qu'on rajoute les personnes qu'il faut rajouter, puis ce n'est pas nécessairement avec un ajout de personnel. On peut avoir les 3 patients de plus. Donc, on suit ça de près. Et les 80 postes qu'on disait coupés, quoique dans ce 80-là, il y avait des postes qui étaient non comblés. Ouais, donc, ouais. Ce n'était pas des individus, des têtes là, qu'on coupait nécessairement. Mais au final, est-ce qu'il y a eu vraiment des pertes d'emplois? On n'est pas rendu à cette étape-là encore. On est rendu réellement à la première étape de la première vague, qu'on appelle. C'est sûr que les coupures les postes ont été coupés, ont allé choisir des postes. Il y a eu quelques ligne de supplantation, c'est-à-dire qu'il y en a une qui a été coupée, qui traîne à chercher un autre, mais ça continue, ça déboule. D'ici probablement 2 semaines, la première vague devrait être terminée, mais c'est sûr que ça crée du stress aux équipes. Mais est-ce que la supplantation, donc, est actuellement en voie de s'effectuer, là, ce qu'on appelle en langage syndical du bumpage? Oui. Donc, la supplantation, est-ce qu'elle est vraiment amorcée? Là? Oui, il y a des gens qui ont pris des postes vacants. Mais il y a des gens qui sont allés supplanter d'autres professionnels qui étaient en poste. Est-ce que ça a impacté beaucoup de personnes, ça? Je vous dirais qu'on n'a pas fait la finale encore. Là. Il en reste encore à avoir d'ici les 2 prochaines semaines. Mais c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui sont touchés par ce processus. Oui. Sylvie Gervais, merci beaucoup. C'est bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. La Fondation James Barrière poursuit son habitude avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, un don récent de 5 000 mais au total, c'est tout près, je pense, de 50 000 qui ont été versés par la Fondation James Barrière à la SSVP de Saint-Jean. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean sur Richelieu. Vous avez la grille horaire. À noter également le télébingo en onde à tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Pour connaître la liste des dépositaires, visitez notre site Internet ou vous téléphonez ici même au 358-1912. Et si vous désirez me joindre, Éric Latour à commercial tvhr9.com. Bye-bye.